Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et nous fêtons, chers amis, Saint Jean, apôtre et évangéliste, personnage considérable auprès duquel le premier pape prend conseil. Vous savez, quand Jésus annonce que un de ses disciples va le trahir, Simon-Pierre fait signe à Jean, au disciple bien-aimé, de demander à Jésus de qui il veut parler, parce qu'il sait que Saint Jean a accès au secret du Père de par son intimité avec le Christ, puisqu'il repose sur le sein de Jésus. Jésus ne peut rien lui cacher, et donc Saint-Pierre sait cela, voyez. Et donc il interroge le disciple bien-aimé. C'est ainsi que l'homme d'action prend conseil auprès du contemplatif. Au début de l'évangile selon saint Jean, à la fin du prologue, on lit cela, que le Fils unique de Dieu qui est dans le sein du Père, c'est lui qui donne de connaître le Père. C'est Jean 1,18. Donc vous voyez, c'est celui qui est dans le sein du Père qui fait connaître le Père. Et voilà que le disciple bien-aimé qui est dans le sein de Jésus, à la Sainte Cène, c'est lui qui fait connaître Jésus et ce que Jésus a à nous dire. Il y a une logique dans l'évangile selon saint Jean, vous voyez. Et donc Saint-Pierre demande à saint Jean de bien vouloir lui transmettre la sagesse qui lui vient d'en haut. Alors ils sont bons amis et Saint-Pierre s'inquiète pour saint Jean, vous voyez. Donc juste après que Jésus a signifié à Pierre qu'il allait mourir en croix, il lui dit « suis-moi ». À ce moment-là, Saint-Pierre se met dans les pas du Christ et puis il se retourne et il voit à ce moment-là Saint-Jean, et Saint-Pierre s'inquiète de Saint-Jean auprès du Christ. « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» Toi, suis-moi. » Alors il y a quelque chose de drôle après, c'est « le bruit se répandit alors parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas, parce que Saint-Pierre fait du bruit. » Vous voyez, le Seigneur Jésus dit à Pierre, voilà, « ça ne te regarde pas. » Alors, non seulement il ne prend pas acte de ce que cela ne le regarde pas, mais il en parle autour de lui. « Le bruit se répandit alors parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. » Pourtant, Jésus n'avait pas dit à Pierre, il ne mourra pas, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Alors, c'est une parole mystérieuse, on ne sait pas trop ce que Jésus veut dire par là. En tout cas, il veut que Jean demeure. C'est volo eum manere, si je veux qu'il demeure. Dans l'évangile selon saint Jean, on retrouve ce verbe partout. Le Seigneur Jésus nous demande de bien vouloir demeurer en lui pour qu'il puisse demeurer en nous. Il est question d'une inhabitation mutuelle, d'un demeurer, d'une fixation, d'une station près de lui pour qu'on puisse porter du fruit. Si on se décroche de la vigne, on peut toujours y être raccroché par le sacrement de pénitence. C'est très bien, on se remet à produire du fruit, mais on en produit d'autant plus qu'on est beaucoup plus proliférant, fructifiant, dans la mesure où on reste bloqué sur la vigne. On reste constamment attaché à la vigne. Donc quand on se détache de la vigne, c'est très bien d'y retourner, il le faut. Plus on reste longtemps, plus on porte du fruit. Et donc Jésus dit cela de son bien-aimé, il dit « je veux qu'il reste, je veux qu'il demeure ». Et il le souhaite pour chacun d'entre nous, cette station la plus longue possible sur son cœur. Alors quand on est sur son cœur, c'est plus facile que quand on gigote comme Saint-Pierre, parce qu'on est assez confortable finalement sur son cœur. Cependant, ce n'est pas simple, parce qu'on a envie de gigoter, de bouger, et le Seigneur nous aide, vous voyez, je veux qu'il reste. Si c'est sa volonté, il va nous donner la grâce de le faire, en continu. Donc c'est cette station que lui-même a observée, le Seigneur Jésus, donc sur la croix, et aussi avant à Nazareth, en restant 30 ans dans le silence, dans l'intimité, il est resté au calme. Et c'est tout un art, c'est très difficile, cette station. Et il faut demander la grâce à Jésus, à Saint Jean,
de bien vouloir nous les faire pratiquer pour qu'on puisse porter du fruit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.